Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques, entre guillemets, concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec le légendaire Vonx. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne faites sans doute pas du kayak depuis bien longtemps. C'est un formateur de champions depuis presque la nuit des temps et l'épisode est redoutable comme il le dirait si bien. J'espère donc que notre conversation vous plaira, en attendant sans doute un épisode numéro 2. Je vous laisse donc maintenant découvrir Vonx et ses secrets. Salut Vonx, comment vas-tu aujourd'hui? Ah ben après tous ces efforts, ça va pas mal. Je suis réveillé depuis une heure et demie, donc la frite en route. Tu as quel âge Vonx? Pardon, j'ai pas compris ta question. Dis, tu as quel âge? J'ai 72 ans. Et donc tu te lèves encore à 7h du matin alors que tu es à la retraite. Qu'est-ce qui t'occupe pour te lever si tôt? Ben, de nourrir les coqs et les poules justement qui m'ont réveillé. Alors, moi j'avais une première question, vu que je suis un peu nouveau dans le milieu du kayak. Ton surnom c'est Vonx, et donc tu m'as bien précisé qu'il fallait t'appeler Vonx. D'où vient ce surnom? Et c'est un problème de... qui date de ma naissance. Ma mère était polonaise et il y a beaucoup de mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer en français. Et vous voyez que je m'appelle Vonvon. Mon père ne peut pas résoudre le problème à la mairie, donc ils m'ont appelé Yves à l'état civil. Ma mère, toute sa vie, a continué à m'appeler Vonvon. Bon, pas de souci. À une époque, celle de gloire de Gulbriner, j'étais coupé en brosse à l'école et les copains m'appelaient l'Américain. Et Vonvon, ça faisait pas très américain. Donc pour résoudre le problème, un von a été enlevé et un X a été mis à l'autre. Et c'est devenu Vonx. Donc ça date quand même de... J'avais 8-9 ans à l'époque de Vonx. J'ai 72 ans maintenant et je pense que la plupart des kayakistes français me connaissent sous le nom de Vonx. Personne ne sait qu'à l'état civil, il y a un Yves Chauveau. Ok, bah, c'est super, super histoire. Alors, justement, toi, donc, t'es assez âgé. Comment tu as découvert le kayak? J'imagine que c'était complètement un autre monde que maintenant. T'avais quel âge quand t'as commencé? Alors, quand j'ai commencé, j'avais, je pense, 15 ans ou 16 ans. Mais c'est plutôt lié à une relation donc d'amitié à Bushman, amitié avec l'instituteur qui faisait donc l'école Freinet. L'école Freinet, donc beaucoup de liberté, beaucoup d'écriture, beaucoup de dessin, beaucoup de tout. Et besoin de fric malgré tout pour avoir du fric. Donc on ramassait les vieux papiers. On revendait les vieux papiers et avec ça on avait une cagnotte. À un moment donc l'instituteur donc qui s'appelait Patrick Etier, qui est relativement bien connu en France, a décidé, puisque auprès de chez nous, devant chez nous coule une rivière, donc pourquoi ne pas faire un club de canoë?
Pourquoi ? Eh bien, bonne idée. Pourquoi ne pas faire un club de canoë ? Oui, mais comment faire le club de canoë ? Technique freinée, on ramasse des vieux papiers, beaucoup, des tonnes, on le revend, on a du fric, avec le fric, on achète de la résine, et avec la résine, on construit des canoës. Voilà, mais avant de construire des canoës, il faut apprendre à construire des canoës. Donc on a été aidé pour ça par les gens de Jeunesse et Sport à l'époque, donc qui voulaient voir de plus en plus de clubs comme le leur, donc fonctionner autour d'Angers. On a pris des cours, pas du soir, mais de résine, pinceau, rouleau, résine, des shoots à pas cher. Hein. Quand je pense ce que coûte un rail de coque maintenant, quand on sniffe de la résine, ça coûte beaucoup moins cher et c'est vachement efficace. Donc, en 66, on a décidé de faire un club, effectivement, et donc construire les canoës pour descendre la Loire. Avant d'appeler le club tel qu'il le sera après, donc Club Nautique de Bushmen, on avait juste l'envie de descendre la Loire. Donc on est parti avec les canoës qu'on a construits en fin d'hiver, donc vers Roanne. Roanne avec cinq copains, dont l'instituteur en question. Et on a entrepris de descendre la Loire, tranquillement, en juillet. Il faisait très 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 beau. On devait le faire en 15 jours, on l'a fait en 6 jours. Non, je raconte des conneries, 6 jours, c'est autre chose, c'est une autre époque. On l'a fait effectivement en 15 jours parce qu'on a freiné, on s'était donné des étapes, on avait fait un plan de route donc pour descendre la Loire à l'époque, et on s'y est tenu. Voilà, donc on est parti le 2 ou 3 juillet, on est arrivé le 15 ou 16, donc à Bushmen. Suite à ça, donc, on a décidé de rester groupés entre nous, et effectivement, de faire un club. Le club, donc, qui allait naître dans l'année 67. 67, après avoir construit d'autres bateaux, on n'arrêtait plus. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient rejoindre le groupe, rejoindre donc le club, et on a continué à construire des bateaux. Après les canoës, on a construit des kayaks. Et là, effectivement, donc, on a eu envie, après une expérience de course dans nos gros bateaux, de faire des choses qui allaient beaucoup plus vite. La première année de course, on a fait le championnat du monde en Anjou, qui s'appelle la Minuterie Ponce, qui est un championnat du monde pour tous les gens des Pays de la Loire. on est plein de champions du monde en Pays de la Loire sur ce parcours. On a donc construit les kayaks parce que donc les canoës n'allant pas vite, on s'est fait doubler. On partait une demi-heure avant les kayaks et je pense qu'une heure après le départ, on s'est fait doubler par les kayaks. Il me dit bon, ça va pas, faut pas déconner, donc il nous faut des bateaux qui vont vite, qui aillent vite. Et on a construit donc des kayaks qui allaient pas très vite non plus, mais bon, qui permettaient quand même de rester au contact. Et on a commencé à faire encore plus de résine. C'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux, je pense, c'est à cause de la résine. Et on a construit des kayaks de rivière. Et donc la première année, donc après notre inscription à la fédération en 67, on a décidé d'aller faire les courses qui existaient dans la région. Une course qui était mythique à l'époque, qui s'appelait le Scorff en Bretagne, qui se descend donc toujours. Et qui a lieu toujours fin janvier, généralement à l'époque où il y a de l'eau qui coule dans les rivières de Bretagne. Cette année, c'était pas le cas. Il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, ça s'est fait quand même. Et suite à ça, donc, on s'est rendu compte qu'on était vraiment pas bon du tout. Et on a commencé à se rapprocher de clubs qui savaient naviguer. On a appris à naviguer en rivière, et puis, ça a duré un certain temps. Donc, ça a duré notre navigation en rivière, je pense, jusque 60, vachement plus longtemps que ça, puisqu'on a eu des champions de France cadets au Clubman en 1. Donc ça a duré un petit peu. Mais bon, entre-temps, on avait commencé à faire d'autres.
la vitesse étant de rigueur, il fallait aller vite. Donc on a commencé à faire aussi de la course en ligne, en plus de la descente de rivière. C'est comme ça que j'ai rejoint la fédération après, donc pour d'autres missions qu'on verra plus tard. Et le club que tu as créé, c'est le club de Bushmen ? Oui, le club de Bushmen. À l'époque, il y avait une association à Bushmen qui s'appelait donc l'Espérance de Bushmen, et le seul sport pratiqué, c'était le foot. Donc il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Donc du club de foot au club de kayak, il n'y avait qu'un pas à faire. Une association Espérance Sportive de Bushmen. De cette association, donc, est sorti le club quelques temps plus tard avec l'appellation officiel Club Nautique de Bushmen, donc affilié à la fédération. Au début, comment t'as fait pour apprendre le kayak? Parce que tu dis que plus tard, vous vous êtes rapproché de club, tout ça, mais au début, il y avait juste ton professeur d'école qui était hyper motivé. Donc déjà, rien que pour apprendre à construire des bateaux, j'imagine que ça a dû être une galère d'essais-erreurs à tout va. Et puis pareil, pour apprendre à pagayer, j'imagine que c'était... comment c'était? Au début, le premier canoë, c'était redoutable. On s'engueulait parce que bon, ça tournait en rond. Et pendant que on mettait la faute à l'équipier qui était devant ou vice versa, à celui qui est derrière. On a appris à barrer les bateaux, donc l'apprentissage du col de cygne officiel, donc des trucs comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, en barrant correctement le bateau allait droit. Après, avec un kayak, c'était plus facile, parce qu'on pagayait des deux côtés. Donc, on arrivait à aller droit très rapidement. Et après, quand on a mis les pieds dans les kayaks avec un gouvernail, c'était très, très simple. Mais, effectivement, l'apprentissage au début était un peu dur. On a des têtes de boche à Bushmen. On veut pas admettre nos erreurs. Et, tu dis que vous êtes rapproché de certains clubs ensuite pour apprendre. C'était quel club? Alors, pour la descente de rivière, c'était le club de Saint-Nazaire, où ils avaient beaucoup d'avance sur nous. Et le club de Nantes, qui, à l'époque, donnait tout un tas d'athlètes à la fédération pour, effectivement, eux, pour de vrai, gagner des titres de champion du monde. Je pense aux les frères Le Fauconnier, Verger, qui était jeune cadet à l'époque et qui était plusieurs fois ensuite champion du monde. Bah, plusieurs fois, non, pas plusieurs fois, mais champion du monde de l'Est en C1. Et il y avait Guilbault Ravilly, donc C2 mixte, champion du monde également, donc en 68. Donc ouais, c'est là qu'on a réellement appris à pagayer avec eux, qui nous ont bien conseillé. Qu'ils n'ont pas fait de cadeau, ni sur la forme, la force et la volonté d'aller vite. Par la suite, parce que là, tu es encore très jeune. Très jeune, ouais. Ouais. Est-ce que ça devient pour toi une passion, à force de construire des bateaux, d'apprendre tout ça? Est-ce que tu te vois travailler dans le milieu du kayak à ce moment-là? Pas du tout, donc... Non, là, donc les années dont on parle, là, c'est les années 67, 68, 69. En 68, on faisait donc les courses de plus ou moins de quartier, appellation quartier. Et là-bas, je commençais à aller un petit peu vite parce que j'avais effectivement entre mon lycée et la maison où j'habite à Bushmen, là, il y a 7 kilomètres. Et donc, à un moment... J'allais à l'école en bateau, donc le matin, 7 kilomètres pour aller laisser mon kayak de rivière donc au club d'Angers, qui était sur la Maine à l'époque. Je prenais un vélo, je fonçais au lycée, j'arrivais, j'étais bien réveillé par rapport aux copains. Le midi, je retournais donc à la base nautique d'Angers, monté dans un kayak de course en ligne, appellation CAPS, et je retournais donc au lycée après, le retour à Bushmen, en bateau de descente. Donc dans la journée, je faisais grosso modo à raison de 4 fois ou 5 fois par semaine, l'équivalent de 7-7-14 et plus l'entraînement du midi, 22-23 km par jour.
C'est pas mal. Ah ouais, c'est énorme parce que j'imagine qu'à l'époque, tu sais, pour interviewer, avoir interviewé pas mal d'anciens, à l'époque, d'entraînement, c'était 2-3 fois par semaine, quand il y avait le temps. Et là, toi, si tu fais 3 km, 4-5 fois par semaine, ouais. T'en manges une sacrée expérience, quoi. Bah, quand j'étais junior, de toute façon, j'étais pas très courageux pour aller à l'école, ça me plaisait pas trop. Je préférais la nature, je préférais naviguer. Et puis, suite à cette envie de naviguer et d'aimer bien l'eau, j'ai été repéré par le responsable du CAPS d'Angers qui m'a dit, bon, il faut que tu viennes courir à Championnat de France. Il dit, courir à Championnat de France, comment ça courir à Championnat de France? Il dit, ouais, tous les ans, il y a un Championnat de France, donc, qui s'appelle Championnat de France CAPS. Bon, c'est quoi cette bête-là? Bah, c'est le bateau dans lequel tu montes, là. Tu vas venir avec nous à Vichy, et puis tu vas courir. Bon, d'accord, je vais courir. 68, donc j'avais 18 ans. Je vais à Vichy, effectivement, avec tous les gens du quartier, d'Angers. Et effectivement, donc j'ai couru et j'ai gagné en junior le titre de champion de France CAPS. Champion de France à l'époque, ça avait un autre nom, mais bon, j'étais le premier, et puis bon, j'ai continué un petit peu, après. Donc l'année suivante, j'étais junior deuxième année, j'avais abandonné ce bateau qui était vraiment une vache, incroyable, ça avance pas du tout, quoi. C'était redoutable, et là, donc en 69, j'ai pu naviguer vite, effectivement, avec des vrais kayaks de course en ligne. Je pense que le bateau que j'avais à l'époque, c'était un lanceur, L-A-N-C-E-R. Ça existe toujours dans les musées. Et justement, à ce moment-là, donc, tu sais, t'es champion de France junior CAPS. Est-ce que c'était codifié avec des champions d'Europe, des championnats du monde comme maintenant? Pas du tout. Le CAPS, c'est vraiment donc... c'est lié à une performance qui a été faite par des Français aux Jeux de Tokyo en 64, Ben et Chapuis, donc qui ont fait ces deux médailles d'argent. Et la fédération donc française à l'époque a retrouvé une certaine vigueur donc suite à ce titre et a décidé donc avec la volonté et du fric, surtout beaucoup, d'équiper les centres de CAPS. Donc en France, une quinzaine de centres qui ont été équipés, dont celui d'Angers, avec des bateaux donc pour apprendre à naviguer en course en ligne, apprendre à naviguer dans des couloirs, donc des C1 et des K1. Ces bateaux qui faisaient la même taille que les autres kayaks de course à l'époque, mais qui étaient vraiment très stables et vraiment utiles rapidement pour et pratiques pour n'importe quel débutant qu'on était à l'époque. Mais après, quand tu passes dans le Lancer, est-ce que tu as des ambitions sportives avec ce nouveau bateau? Eh ben, les ambitions sportives, bon, suite au Championnat de France donc de Vichy, j'étais encore junior l'année suivante, en 69. J'ai refait le Championnat de France. C'était dans une région où il y avait beaucoup de vipères, je crois, c'était le lac des Buzons. Je sais pas où ça se trouve, dans la Creuse, enfin, ou dans le Limousin, je sais pas trop. Je me rappelle qu'il y avait des vipères partout sur les rochers, il fallait faire gaffe quand on retournait le bateau, qu'il n'y ait pas une couleuvre ou une vipère à l'intérieur, ça fait un peu désordre quand on monte dedans. Et puis, j'ai été très brillant en K1, j'étais pas sur le podium. J'ai dû faire 4e ou 5e, mais bon, suffisant pour que le responsable à l'époque des kayaks décide d'emmener une équipe faire un soi-disant championnat d'Europe. C'était vraiment une primeur, hein, en Espagne, Bagnolas. Et j'ai été embarqué donc pour courir donc ce pseudo championnat d'Europe de l'Ouest. Hein. Il n'y avait aucun pays de l'Est à l'époque. Il y avait le gros rideau de fer, le gros mur qui existait déjà. Donc il y avait des
bien, des Espagnols, des Anglais, des Français, des Portugais, et je sais pas qui encore. Et bon, j'ai couru en K4. J'étais pas assez rapide en K1. Le K1 était réservé aux frères de l'entraîneur. Donc, j'étais par la suite beaucoup plus que lui, mais c'est pas grave, c'est ta petite histoire. Le K4 est très formateur, de toute façon. Donc, 69, j'ai fait du K4. Je pense qu'on a ramené une médaille, malgré tout. Je me souviens plus. Peut-être qu'elle est dans une de mes coupes, là-haut. Je sais pas. Mais bon, c'était très, très intéressant, ce qui m'a donné l'envie de continuer par la suite, bien entendu. De continuer à m'entraîner comme je le faisais au quotidien. J'ai intégré par la suite pendant deux ans l'équipe senior où on n'était pas très performant en tant que Français, on n'allait pas très 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 vite. On était vraiment ridicule par rapport aux Allemands, par rapport aux Polonais, par rapport à tout un tas de gens qui étaient énormes et baraqués, par rapport à nous qui étions flués. Mais bon, ça ne nous empêchait pas de prendre du plaisir à courir. Et justement, cette différence de gabarit, ce manque de performance, avec le recul, tu l'expliques par quoi ? Bon, par la suite, on a fait des stages en 72. Je me rappelle avoir fait un stage à Mur de Bretagne, à mon retour d'Allemagne. Donc, je me suis expatrié pendant 6 mois avec un copain pour gagner des sous, pour m'acheter un bateau plus vite, plus rapide. Un hunter. Et on s'est retrouvé donc avec ce bateau que j'ai pu acheter. Mon père m'a emmené faire le stage donc à Mur de Bretagne, stage franco-allemand. Et là, effectivement, les Allemands étaient beaucoup plus baraqués que nous. Mais je pense que c'est un peu naturel que les Allemands soient plus baraqués que les Français. Je pense qu'il y avait une sélection à la base là-bas qui se faisait. Je pense que quand tu étais repéré, baraqué, grande, bonne envergure, il y avait des recruteurs qui te guideraient rapidement vers un sport auquel tu correspondais. Genre, je pense que la plupart des Allemands bien baraqués qu'on a connus avaient été repérés tout petits chez eux. Ils ont continué à grandir dans les bateaux après. Ils sont restés loin devant nous longtemps. C'est encore d'actualité, hein. Faut pas croire. Et sur l'entraînement, t'avais découvert des choses durant ce stage par rapport à ce que vous faisiez, est-ce que faisaient les Allemands? Alors, à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc moi, j'étais pas du tout surpris de ce qu'on a fait en stage. De toute façon, il y avait déjà une programmation qui était faite au niveau national. L'entraîneur de l'époque, c'était Jean-Claude Le Billan. Et il y avait déjà une programmation qui était conseillée pour tous les athlètes qui prétendaient entrer en équipe de France. Donc on n'était pas très surpris, il n'y avait pas une grosse différence entre ce qu'on faisait au stage à Mur de Bretagne et ce que Jean-Claude Le Billan voulait nous faire pratiquer et voulait cadrer en France. Est-ce que par la suite, tu fais une carrière en équipe de France senior? Est-ce que tu arrives à avoir des médailles ou autre? Pas du tout, parce que donc, à la suite de ce stage donc de Bretagne, je suis rentré d'Allemagne en 71, ouais, je crois. Et donc, je préparais les championnats de France. J'étais le finaliste en monoplace, mais bon, pas loin du podium. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Donc, 72 pour mémoire, deux bateaux qui ont été conviés pour aller courir à Munich. On aurait pu y aller en mobylette à Munich. Paris-Munich, c'était pas loin, mais il n'y avait pas les moyens à l'époque pour ça. Donc il y a deux bateaux qui ont été envoyés là-bas. Et puis, tous ceux qui attendaient aller au jeu ont été gentiment remerciés en leur disant qu'ils n'avaient pas le niveau. On a fait rentrer
des gens qui a priori avaient le niveau. Il y a un qui s'appelait Didier Niquet qui avait le niveau effectivement, et il fallait lui associer un équipier qui était très très connu à l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Cordebois, qui était un Nivernais et qui était lui, contrairement à moi qui était parti volontairement en Allemagne donc gagner des sous, il était là. Et il a été rapatrié en France pour courir pendant 6 mois avant les Jeux avec Didier Niquet. Donc nous, on s'est fait niquer, c'est clair. On regardait donc les Jeux à la télévision. À l'époque, il valait mieux être Nivernais, Mulhousien ou Périgord. Quelqu'un de Bushman, pas beaucoup de chance d'intégrer l'équipe. Les Nivernais, c'était la crème de la crème à l'époque. C'était un premier club de course en ligne français, avec Mulhouse, avec, je pense, d'autres clubs parisiens. Et le club de Bushman, qui a pu grandir, m'a permis, donc j'ai pas eu de soutien pour qu'à la fédération me défende, pour me dire donc, ouais, toi petit gars, tu peux venir dans l'équipe. Bon, il y en a d'autres que moi qui n'ont pas y été, hein. Donc Munich, ça a été triste, 2 bateaux seulement. Un C2, un K2, aucune médaille bien entendu. Et puis bah, le suite va s'écrire rapidement dès 75. Je pense que la fédération va trouver des sous parce que le sport de haut niveau de 75 va trouver une écoute en France. Donc là, je pense que l'argent ne coûte pas plus, mais évidemment. Donc, il y a eu 2-3 années très mauvaises pour l'opération. Ministre des Sports, donc je pense en 75. Et là, le ministère des Sports a décrété que tous les sports olympiques devaient pouvoir vivre correctement. Et donc, les fédérations olympiques ont été subventionnées. Et suite à ça, est-ce que tu as continué justement à t'entraîner à fond et à être pris en équipe de France? Alors, après 72, la vérité, c'est que ça m'a un peu gonflé. J'ai refait la championnat de France en 73, en cas de toujours avec mon équipier Jean Garnier. En 72, on a quand même fait une breloque, hein, en cas de... Il y avait futur olympien, donc qui ont gagné. En deuxième, il y avait le père Jouve avec Bohémar, je me souviens bien de ces noms-là. J'ai eu Sébastien après, donc dans mes équipes à entraîner, donc c'était, je me souviens du père Jouve. Et bon, 73, j'ai refait le championnat et bon, je voyais pas trop où ça me menait. Donc pendant deux ans, ouais, 73, 14, 15, jusqu'en 76 en fait, je me suis dédié à la planche à voile. Autant je naviguais en kayak quand j'étais junior, autant je naviguais en planche et en laser après, donc à raison de 4, 5, 6 heures par jour de planche. Et en 76, j'ai repris le bateau en rivière, donc pour les rivières alpestres. Et en 77, Jean-Pierre Voilet, le CTR de l'époque, avait besoin d'un coup de main pour encadrer les équipes cadettes. Et il m'a dit, viens donc me filer un coup de main. Tu navigues encore bien et j'ai besoin d'un cadre, même si pas de titre de cadre, tu vas venir et tu vas t'occuper avec moi des équipes cadets, ce qui fut fait. Ok, non. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Je travaillais pour le club, malgré tout, le club de Bushman, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamins. Le mercredi, on faisait quasiment deux séances d'entraînement, parce qu'on n'avait pas assez de bateaux. Donc, deux séances étaient programmées le mercredi après-midi. Ouais, donc t'avais déjà l'habitude d'entraîner, en fait, d'encadrer. Ouais. Ça me plaisait bien, le contact avec les gamins et tout, là.
Et donc là, tu te retrouves à entraîner donc des cadettes qui ont déjà un bon niveau, c'est ça? Ouais. Les cadets donc en rivière et en slalom, parce que les étaient obligatoires à l'époque. Il fallait être slalomeur et descendeur pour pouvoir faire les championnats de France. Et donc, on avait quand même un potentiel dans la région très très correct. On a eu des gens au club, je l'ai cité un peu auparavant. En 81, je crois, la naissance de ma fille. Oui, c'est ça. En 81, on était sur l'Ubaye. Et j'avais trois gamins du club des Bushmen qui... Un a fait une médaille d'argent, donc en monoplace. Et avec les deux autres, ils ont fait champion de France de descente en patrouille. Redoutable pour un club qui vit sur l'eau plate. D'amener des gamins donc à devenir champion de France de patrouille sur l'Ubaye. L'Ubaye, c'est pas une rivière très très facile. C'est cassé un peu. Il y a beaucoup de résine à faire entre les différentes descentes de reconnaissance, mais bon, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça fait très bien. Et en 81, donc c'était pour moi un peu la rupture avec l'entraînement des cadets, parce que Jean-Pierre Vallée m'a demandé de par la suite de m'investir un peu plus sur la course en ligne. Ce que j'ai fait 81, donc les jeunes cadets ont également fait la championnat de France de course en ligne, avec des résultats qui étaient vraiment loin de ce que j'escomptais, mais bon, ils étaient là. Et en 82, j'avais pris la responsabilité de la commission course en ligne dans les Pays de la Loire. J'étais président de la commission, redoutable. Il faut voir ce que ça donne. Et en 82, donc, on avait à l'époque un rendez-vous donc à l'automne qui s'appelait le championnat de France des ligues. Et donc, on emmenait là-bas des slalomeurs, donc sur le bassin de Vichy, et sur le bassin de juste à côté qui sert à l'aviron et la course en ligne. Donc, un championnat de France de course en ligne, avec également donc une épreuve assez redoutable qui était la patrouille. Donc c'était un 3000 mètres ou un 5000, je ne sais plus exactement la distance. Et c'est là que j'ai emmené un certain Pascal Bouchery qui avait commencé la course en ligne aussi, qui n'avait pas beaucoup de résultats à l'époque. Mais il fallait faire une patrouille absolument, donc avec Christian Duplessis. On s'y est collés tous les trois. Et c'est là que pour Pascal, la roue a tourné. Il devait aller faire son service militaire quelque part. Et bon, il y aurait été forcément. Et on a profité du moment pour interpeller donc Jean-Claude Le Billon et Milo, Jean-François, qui était responsable du bataillon Joinville. Et je lui ai dit, j'ai un gars avec moi, là, il est fantastique, il est vraiment baraqué et tout. C'est quand même dommage qu'il aille perdre son temps à faire l'armée, je sais pas trop où, en France, là. Il ferait mieux d'aller au bataillon de Joinville. Mais bon, mais qu'est-ce qu'il a? Il va vite, il fait quoi? Oui, il va vachement vite, mais pour l'instant, il a rien fait, mais il va faire. Il va faire, évidemment, si vous l'emmenez au bataillon de Joinville. Parce que il a le potentiel pour devenir champion de tout, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Arrête tes conneries. Mais non, j'arrête pas mes conneries. Il est derrière la vitre là. Regardez un peu le profil. Maintenant qu'il se tourne, regardez-le de face. Bon, on va voir ça. Donc dans le week-end, Jean-Claude Le Billon et Milo ont pris la décision d'intégrer Pascal Bathien-Joinville. Il avait un gabarit qui dénotait pour l'époque. Il était vraiment grand, grande envergure, tout ça. Il était solide. Ah ouais, Pascal, c'était un baraqué. Hein. Il faisait pas semblant de. C'était un beau gosse, une envergure de assez impressionnante, des mains donc il aurait pu être nageur. Bon, tout ce qu'il fallait pour un bon kayakiste. Très bon kayakiste. La preuve, la suite nous.
s'est avérée payante. Ils ont fait donc Branloc à Los Angeles en, en K4 avec Bock, plus Barou, et puis je sais pas comment il s'appelle l'autre individu, Vavasseur, Didier Vavasseur, un médecin, un futur chiropracteur, un futur je sais pas quoi, ce qui était l'autre Barou, je sais pas ce qu'il est trop devenu, si je sais ce qu'il est devenu, mais bon, c'est pas bien, et puis et Pascal, donc voilà. C'était bon, le caca de l'enfer, hein. Ils se sont entraînés à Bushmen avec, sous les ordres de d'Alain Lebas à l'époque, là. Et eux se ménageaient pas du tout. Ils se sont fait des quantités de bateaux, des quantités de courses à pied en côte, préparation physique redoutable. Et moi, je les avais à la maison. Ils étaient tout prêts. Donc, j'habite auprès d'un restaurant qui s'est pris de, donc d'amitié pour ce bateau qui préparait les jeux là et qui virait tous les clients pour ne laisser de la place que pour les kayakistes dans le resto. Donc il habitait à la maison au grenier, comme il est grand c'est très pratique, il marchait à quatre pattes, je l'appelais Azor. Les Azor sur le Tanis. Et Buck descendait donc tranquille prendre le petit déj. Même en bas, il touchait les poutres. Hein, donc c'est un peu inquiétant qu'il vive à la maison. Mais ça lui plaisait bien. Il aime bien les défis. Et marcher à quatre pattes, ça le dérangeait pas. Là, toi, tu es entraîné au club de Bushmen en course en ligne ou Oui, au club de Bushmen. Ouais. Et donc, Lance-Pierre. Et j'allais dire, justement, à ce moment-là, là, tu parlais, Pascal Boucher, que tu as réussi, entre guillemets, à vendre pour le bataillon de Joinville. Est-ce que tu arrivais à remarquer ceux qui avaient du potentiel de ceux qui n'avaient pas de potentiel, d'un point de vue physique, en tout cas? La volonté sur l'eau des gamins qui vont vite, c'est pas par hasard, quoi. Ça se sent très, très rapidement, le gamin qui en veut, donc... Lui, il est clair qu'on va le prendre rapidement sous notre aile. Donc toi, par la suite, t'arrêtes de naviguer, de faire des compétitions et tu te concentres vraiment à entraîner les autres? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait. Comment ça se passe la suite pour toi en tant qu'entraîneur? Est-ce que tu restes toute ta carrière à Bushmen? Parce que de ce que j'ai entendu dans les podcasts, t'as quand même entraîné et sorti pas mal de futurs champions, de champions qui sont devenus. Est-ce que t'as bougé ou est-ce que t'es resté au même endroit? Ah bon, ça a évolué de façon relativement simple. À l'époque, grâce aux juniors où je suis rentré dans le moule, en fait, les juniors, donc à l'époque, en partir de 60, non pas 60, raconte des conneries, 96, je pense, 96, il y a un individu qui a été commis d'office par la Fédération française de canoë kayak, un Allemand de l'Est, qui s'appelait Carsten Neumann. Il n'était plus de l'Est parce que le mur était retombé, était tombé depuis 89, le mur est tombé. Et donc, 95, je ne sais pas si tu veux exactement l'année. Toujours est-il qu'il est venu avec sa rigueur en France, donc des plans d'entraînement, des tests et tout. Et puis, donc, il avait décidé, concernant les juniors, que suite aux piges, le meilleur des juniors était entraîné par donc son entraîneur de club ou de région, et cet entraîneur donc devenait donc l'entraîneur de l'équipe France Junior. Donc quelques années ont suffi pour que, je sais pas quelle année c'était exactement, donc bon, peu importe, une certaine pige donc qui avait lieu à Vers-sur-Marne, j'avais pris un peu d'avance sur le sujet et j'avais écrit à Carsten, j'avais l'avantage de parler allemand et de l'écrire, donc
Camarade, je connais ton mode de fonctionnement. Je sais que tu prends comme entraîneur le meilleur des entraîneurs, puisque il a formé le champion de France cette année. Je pense que moi, j'ai dans ma voiture, à chaque fois que je vais faire les piges, là, le potentiel de faire quasiment une équipe de France. Tous les gamins qui vont participer aux piges, là, je les connais tous de façon évidente, et je pense que tu gagnerais du temps à me nommer directement tout de suite entraîneur des juniors. Donc voilà. Bon, ce qui fut dit fut fait. Donc il m'a dit ouais, reste. Ouais, bon, je sais que j'ai raison. Si je te l'écris, abruti, c'est que j'ai toutes mes raisons de le faire. Et donc on se retrouve en 80. Moi, j'en veux qu'à 80. En 2000 et des poussières, je sais pas quand exactement. Premier championnat de France, pour Yamino, mon fils, avec, j'aurais dû prendre des notes. Ma tête flanche. C'est pas grave. Mais bon, ouais, mais bon. Non, c'était Boulogne-sur-Mer, de toute façon. Et bon, je me rappelle l'année 2000, je pense, hein. L'année du ouais, mais c'était en 2000, forcément 2000. Il n'y a pas eu de bug, mais c'était là. Donc en 2000, j'étais champion de France, du meilleur français. Et donc j'étais forcément donc l'entraîneur de l'équipe. Donc l'entraîneur de l'équipe à Boulogne-sur-Mer. Donc par la suite, des médailles, il n'y en a pas eu malheureusement beaucoup. Il y a eu beaucoup de finales chez les juniors, mais on n'est pas revenu avec des breloques, malheureusement. Bon, peu importe, l'ambiance était bonne et j'ai continué l'année suivante encore comme entraîneur. Donc on a été courir à Curitiba au Brésil. Et là, donc pareil, pas beaucoup de breloques, malheureusement. On a été trompé par l'ennemi brésilien. Pour faire une bonne course, il faut être léger, il faut être en bonne santé et tout. On est arrivé là-bas, on a été gagés comme des oies. Les Brésiliens sont bons en samba, bons en foot, mais ils sont aussi très 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 bons en cuisine. Et on avait des repas qui étaient servis le midi et le soir, en veux-tu, en voilà, des quantités de bouffe invraisemblables. Et aucun des entraîneurs qui étions sur place là-bas n'ont eu l'idée de dire aux gamins « mangez gentiment, doucement, il y a des courses après ». On bouffait comme eux et tout, donc je pense que c'était catastrophique. La quantité de viande qui était ingérée par les athlètes, les desserts, bon, c'était horrible. Je vois encore les plats donc arriver sur la table, et je pense que c'est ça qui a plombé l'équipe. Vraiment pas bon. De ce que je comprends, toi, tu aimes particulièrement entraîner les jeunes? Parce que t'entraînais les jeunes à Bushmell, là t'as demandé les juniors aussi. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'entraîner les jeunes? Ben les jeunes, bon, c'est le devenir des équipes futures. Donc un jeune qui prend vraiment goût à la compétition va forcément devenir après un très très bon senior. Il y a pas beaucoup de cas qui ont échappé donc à cette certitude que j'avais. Comment on pourrait alors c'est une question un peu ouverte, la méthode Vonx, parce que de ce que j'ai compris, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis entre guillemets plus tard seniors à devenir des champions à mes yeux. Est-ce que l'entraînement est différent? Est-ce que c'est dans la psychologie? Comment tu définirais ta méthode? L'entraînement, je pense, oui, des grosso modo le même pour tout le monde, hein. Et il y a un moment où il faut faire vraiment confiance à l'athlète. L'entraîneur, bon, c'est une part de l'athlète, mais une part infime. La confiance de l'entraîneur vers l'athlète, c'est, je pense, qui prime. Là,
J'aimais beaucoup entraîner les K4, les bateaux longs, en général. Les monos, bon, ils s'expriment tout seuls, mais bon, dans les bateaux longs, il est évident qu'à un moment, il faut un capitaine. Le bateau, le K4, bon, les K2, il y a deux capitaines à bord, c'est sûr. Et dans un K4, il n'y a pas deux capitaines à bord. Je pense qu'il y a un moment, il faut qu'il y en ait un qui emmène la barque, entre parenthèses. Même s'il n'est pas devant, et faut que celui qui est dans le bateau, qui, un peu comme le capitaine au rugby ou au foot, là, qui prend les bonnes décisions, au niveau des relances et tout, bon. Et je pense que c'est cette confiance qui s'instaure entre l'entraîneur qui est à terre sur son vélo, qui suit, qui donne des tops de relance, des tops pour s'arrêter et tout. Et à un moment, quand on est en course, on dit bon, maintenant ça suffit, je suis plus sur avec vous sur le vélo à côté. De toute façon, l'endroit où vous serez sur le bassin, vous n'allez pas entendre ce que je vais vous dire, c'est évident. Donc là, il faut un capitaine à bord. Et le capitaine, bon, rapidement était désigné. Moi, j'ai souvenir des championnats d'Europe à Zagreb où le capitaine se présentait quasiment de façon naturelle dans le bateau. Idem pour les années qui ont précédé. Moi, j'ai souvenir de Max. Max qui était vraiment à l'écoute. Bon, Max aurait pu être mon fils, hein, totalement. Il avait une entière confiance en moi. J'avais une entière confiance en lui. Et tu dis Max qui? Max Beaumont. Ah, ok. Ouais. Et à Duisbourg, les championnats moins de 23 qui ont eu lieu là-bas, donc Max, c'est le capitaine du bateau, sur le mille, c'est toi. Ah ouais, d'accord. Bon, t'es grande confiance, donc bon. Ils n'ont pas fait de relax non plus, mais le bateau était en finale, il allait vite, il tenait tête aux équipes seniors, donc c'était bien. C'était bien, bon. C'était plus que bien, puisque c'est je pense, ce genre d'épreuve où la réussite se trouve à l'arrivée, te met en confiance et te donne envie d'aller encore plus loin après. Bon, on l'a vu avec Max, justement, donc ce qu'il est devenu par la suite, il est toujours là. C'est ce qui est redoutable. En tant qu'entraîneur équipe de France junior, comment ça se passait l'organisation des stages? Est-ce qu'il y avait beaucoup de stages pour les juniors? Comment ça se passait? Il y avait beaucoup de stages dans les régions, dans la région des Pays d'Auvergne notamment. Donc, bah, c'était, quand je dis beaucoup, c'était des week-ends de rassemblement et c'était des 4 ou 5 jours donc pendant les vacances scolaires, des stages avec eux. Et ça, c'est toi qui étais en charge d'organiser un peu le calendrier pour les juniors? Tout à fait, oui. Tout à fait, tout à fait. Et pareil, donc c'est toi qui sélectionnais les juniors que tu voulais dans l'équipe? Alors, je sélectionnais, j'étais pas sélectionneur. Donc, la sélection se faisait donc au niveau national, donc suite aux piges. Et c'est les... Je crois que c'est Kirsten qui les désignait. Je disais, donc, j'aimerais bien partir avec 6 ou 8 athlètes. Et bon, j'ai souvent eu gain de cause, mais bon, c'est quand même Kirsten qui désignait les coureurs, les compétiteurs. J'avais mon mot à dire. Bon, j'ai pas été recalé sur des noms que j'ai donnés. Mais bon, c'est Kirsten qui avait quand même le dernier mot. Et la commission. Parce que ça coûte un petit peu cher quand même une équipe. Donc, faut pas partir faire des courses avec des brels, quoi. Faut partir avec l'envie de revenir avec des breloques autour du cou. Et tout à l'heure, tu me disais, j'ai une question qui me revient, que tu avais été recruté sans avoir le professeur de sport. Est-ce que par la suite, tu as dû le passer?
Ou finalement, tu n'as pas eu besoin? Alors bon, c'est un peu compliqué. Donc, j'étais suite au Brésil. Donc, il y a eu un recrutement d'entraîneurs national ou nationaux. Il y avait un pôle à Angers, un pôle France, et bon, j'ai postulé pour devenir entraîneur sans professeur de sport, sans rien du tout, juste avec l'expérience que j'avais, la connaissance du milieu, et j'ai postulé pour devenir entraîneur. Donc j'étais présenté à un jury qui était le DTN de l'époque, qui était son adjoint et qui était le directeur technique. Non, je raconte des conneries. C'était le directeur technique, donc qui était Antoine Gucci, son adjoint, dont j'ai oublié le nom, et donc le responsable des équipes de France, qui à l'époque était Pascal. Après avoir arrêté sa carrière de sportif, il est devenu donc directeur des équipes de France de course en ligne. Je sais pas quelle année exactement. Enfin, l'année qui correspond grosso modo à celle dont on parle, qui doit être 2002. Il était donc directeur des équipes. Et donc toi, tu postules pour être entraîneur sur l'expérience, et donc ils te prennent comme ça? Bah, sans expérience, c'est pas vraiment sans expérience. J'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai pas de diplôme du tout. J'ai le diplôme de la vie uniquement. La connaissance du milieu, la connaissance des gens. Voilà, c'est bon. Et ça peut pas trop poser de problème. J'ai été pris comme entraîneur, donc en remplacement de je sais pas qui. Qui était là-bas, je sais plus. Je me suis retrouvé avec un équipier dont j'ai oublié le nom, si je perds la mémoire, c'est fantastique. Il m'a beaucoup marqué pourtant, mais bon. Bon, donc il y avait trois pôles France à l'époque, celui d'Angers. Donc je suis, comme j'habitais à 6 km, c'est là que je me suis établi. Tu as fait combien d'années en tant qu'entraîneur en équipe de France? Officiellement, 8 ans. Donc de jusqu'à quelle année? Jusqu'en 2010. De 2010, les derniers championnats d'Europe junior à moins de 23 qui avaient lieu à Moscou. Et qu'est-ce qui fait que tu arrêtes? Ce qui fait que j'arrête, je sais plus trop pourquoi j'ai arrêté. Si, je sais pourquoi. Il fallait un CTR, donc qui me convenait bien parce que ayant la connaissance de différents milieux de pratique, je correspondais pas mal en fait au profil. Donc je suis devenu CTR, donc à cette époque, conseiller technique régional, toujours sans diplôme, donc avec la volonté d'Antoine Gauthier qui a dit, ouais, le Vonx veut être CTR. On a déjà fait ce genre de choses. Et puis le professeur de sport, bon, bah, tu le passeras après. Et ben, moi, je l'ai jamais passé. En fait, je l'ai eu par ancienneté, entre parenthèses, donc. Et en tant que CTR, c'était quoi ton rôle alors? Parce que là, tu entraînais plus vraiment alors? En tant que CTR, j'ai continué à entraîner quand même les échéances terminales donc des équipes moins de 23 pendant quelques années. Dans les années avant 70, je pense que j'étais déjà CTR. Il faudrait que je recherche mes bulletins de paye pour savoir, mais je pense, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire que tu n'intervenais pas sur, c'était pas les séances terminales, donc les championnats d'Europe ou du monde, tu n'intervenais pas justement sur l'entraînement des jeunes, qui était plus confié aux entraîneurs de club ou aux Tout à entraîneurs fait. nationaux. Ouais, c'est ça. Mais Moi, j'avais. parallèlement, tu entraînais toujours à Bushman ou là, c'était entre parenthèses justement? Non, là, j'entraînais après sur le pôle. Je récupérais les gamins donc à la sortie du lycée. Il y avait un pôle espoir, donc avec l'entraîneur du pôle espoir, on se partageait l'entraînement sur l'eau. Donc pour ce qui est entraînement et les paperasses, bon, c'était
pas trop fort en paperasse. On avait une très bonne secrétaire à la région, à la Ligue, là. Et je pense que c'était la cinquième roue du chariot, de la charrette, je sais pas comment on dit. Donc, j'ai eu une vie facile, là, relativement facile, grâce à tout ce qui m'a entouré, en fait. Je sais pas, parce que tu vois, quand je t'écoute, pour moi, tu vois, j'avais un peu cette question-là, c'est quoi un bon entraîneur, la méthode Vonks? Et quand j'entends parler, pour moi, t'as une capacité à donner confiance. T'as un truc en plus d'un point de vue de la volonté, je saurais pas comment le définir comme ça à froid, mais je pense pas que ça se soit tombé du ciel, quoi. Je pense que t'as été chercher les choses, comme tu disais avec ta lettre avec Kirsten, ou même quand t'as entraîné, je pense que y avait cette envie, une grosse envie de bien faire et de faire, et je pense que c'est plus ça que les gens ont apprécié et apprécient. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est sûr. C'est ça, sans aucun doute. Je me suis jamais vraiment penché sur le problème. Me regarder dans une glace à Marie pour me raser, pour pas me couper, mais me regarder dans une glace pour savoir qui je suis exactement et pourquoi. Alors, c'est quelque chose qui est naturel, je sais pas. Je sais pas bien le définir, mais je pense que tu as dit vrai, quoi. Ouais, on sent que t'as une envie, t'as une grosse envie, une grosse motivation. Justement, à quel moment, parce qu'à un moment là, donc t'as 72 ans, t'as pris ta retraite. Est-ce que t'as pris ta retraite par choix ou c'était plutôt, et je pense que c'est ça, mais ou parce que t'avais fait ton nombre d'années, tu dis bon là, qu'est-ce que j'arrête parce que je fais mon nombre d'années? Je sais pas répondre à cette question. Je sais pas. Là, je fais sortir tellement. Ouais. Mais bon, je sais pas. Bon, j'aurais pu continuer encore. C'est pas fatigant d'être sur un bateau à moteur. Poursuivre des gars à l'entraînement. Bon, il y a un moment, faut passer les relais. Hein. Ça me paraît nécessaire. Et justement, bah tiens, tu dis passer des relais. Est-ce que justement, t'as formé, peut-être que le mot est un peu fort, mais d'autres entraîneurs pour être ta relève, entre guillemets, au club? Bah, je pense que les entraîneurs du club actuel, bon, c'est des gens que j'ai eu tout petit, de toute façon. Il y a d'autres entraîneurs dans les clubs alentours que j'ai eu tout petit également, qui étaient licenciés au club. Je pense à Benoît Bayeux, qui est entraîneur au club d'Angers, qui fait un super boulot là-bas. Bon, son collègue est également un ancien du club. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Je sais pas. C'était pas un passage obligatoire d'être à Bushman, hein, mais à l'époque, il y a eu beaucoup de monde, puis ça portait ses fruits. Il y a beaucoup de professionnels actuels de la région qui sont passés par le club. Et c'est une bonne chose, je pense. Mais bon, c'est pas parce que j'y étais, hein, c'est parce que, comme je disais, devant coule une rivière, c'est un peu naturel de mettre les pieds dessus ou les pieds dans le bateau pour aller dessus, quoi. Quand t'as pris ta retraite, et même aujourd'hui, est-ce que t'as encore un pied dans le milieu du kayak? Est-ce que tu vas voir un peu comment ça se passe au club? Est-ce que tu vas sur les compètes? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais au club de temps en temps, dire bonjour, voir comment ça se passe, mais je n'interviens plus du tout. Du tout. T'as plus envie? Bon, non, c'est pas que j'ai plus envie, mais comme je disais, faut laisser à manger aux autres, quoi. Non, de temps en temps, on m'invite à donner des départs de course encore, donc comme j'ai une grosse voix qui porte loin, j'arrive à faire mettre des gens sur une ligne de départ sans besoin de gueulophone, donc je continue encore un petit peu de temps en temps, donc à donner des départs de course, mais c'est tout. Je m'en tiens à ça. Et ça te manque pas justement d'entraîner, vu que on sent que t'as ça en toi, de transmettre ou Quand je pense avoir passé les relais, là, bon, c'est bon. Bon, j'ai vécu des choses très 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 bien, des souvenirs donc du monde du kayak qui resteront à vitam aeternam, des bons, des très très mauvais, et qui des choses qui me font encore
comme on dit, bien bandé, c'est l'expression utilisée dans le milieu. Mais bon, tout ce que j'ai vécu, j'ai aucun regret. Bon, j'ai aucun regret d'avoir pu jouer la Marseillaise en Allemagne de l'Est en 87, par exemple. D'avoir pu jouer la Marseillaise à la trompette à Athènes, sur le bord des bassins. Bon, non, tout ça, c'est un tout, hein. C'est un tout. Je te raconte l'anecdote quand même de 87, c'est quand même assez redoutable. À l'époque, le bateau phare qui était destiné à devenir champion olympique, il n'est pas devenu par la suite, on le sait bien. En 87, donc, Bock et Pascal avaient décidé d'aller courir en Allemagne de l'Est, ouais, histoire de rencontrer tous les gens potentiellement capables de leur barrer la route, d'être champions à leur place. Et donc, ils disent à Hervé Madoré, qui était le DTN de l'époque, « Nous, on part en Allemagne, mais le coach qui vient avec nous, c'est Vonx. » « Ah, comment ça ?» Ouais, on part en Allemagne, on va courir, donc deux monos, le K2, et c'est Vonx qui nous accompagne. Oula. Bon. Eh ben, je suis prévenu deux jours avant par Pascal. Tu viens en Allemagne avec nous. Hervé Madoré est d'accord que tu seras coach là-bas. Ouais, mais j'ai pas de passeport. Tu vas avoir un passeport, donc deux jours après j'avais un passeport, très rapide, et on est parti donc en Allemagne, dans une belle CX commerciale, de façon à ce que Bock puisse dormir à l'intérieur, sans déranger qui que ce soit. Et nous voilà arrivés donc à Berlin. On passe le contrôle. Ce con, il avait acheté des bouquins de cul. Il avait collé des photos sur les fenêtres. On arrive sur le bassin de course, donc à Brandenburg. Et là, tous les gamins autour, en train de venir mater les photos. Le Bock, mort de rire à l'intérieur. Bon, il allait enlève les photos. On n'est pas là pour ça. Bon, il a enlevé les photos et puis bon, la compétition a eu lieu. Mais il fallait valider l'hymne national. Bon, les Allemands de l'Est là-bas, il n'y aura pas d'hymne de toute façon parce que c'est les Allemands, les Russes ou les Polonais qui vont gagner. Mais je vais vérifier l'hymne. Ah, pas bon du tout. C'est pas l'hymne français, ça. Il faut le trouver parce que les gens que j'ai amenés ici, ils sont là pour gagner. Ils sont pas là pour regarder les courses. Ils sont là pour gagner les courses. Bon, il me cherche l'hymne et pas d'hymne. Il dit, bon, il n'y a pas de souci, moi j'ai mon harmonica ici, je vais vous le jouer, l'harmonica, l'hymne, s'il gagne. Il dit, non, c'est pas possible, on va le trouver. Donc il me recontacte deux heures après, ils ont fini par trouver la Marseillaise et ils me l'ont fait valider. Et effectivement, deux jours après, le K2 Bocara Boucherie est devenu, donc, est monté sur la plus haute marche du podium et on a eu droit à la Marseillaise. La vraie, donc dans les haut-parleurs, j'ai pas eu besoin de sortir l'harmonica pour la jouer. Et en 88, ils ont pas réussi à t'imposer pour aller à Séoul? Alors en 88, moi, ça me fout vraiment les boules, hein, parce que je pense qu'il y a, beaucoup de touristes qui ont été, bon, des touristes, entre parenthèses, hein, des gens de la fédération, mais il y avait un peu trop de touristes sur place. Hein. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Même si on a connaissance des faits officiels, si un coach avait été auprès d'eux, donc dans la zone de départ, le départ il l'aurait pris à l'heure comme il faut. Je pense que tous les gens étaient dans les tribunes à attendre les courses. Au lieu de que l'un ou l'autre se motive, je pense qu'il y en a avec qui ça fait plaisir, qui se prennent une relais, hein. Ou qui prennent pas le départ. Je suis méchant en disant ça, peut-être, mais peut-être qu'un jour, sur son lit de mort, quelqu'un nous dira « J'étais le fumier de service. » Mais même, ils ont pas réussi à t'imposer, en fait, ce coup-ci, parce qu'en 87, ils ont réussi, mais pour les Jeux, ils n'ont pas... Non, mais j'ai même pas posé la question. Hein.
Je pense que si auprès d'Hervé Madoré, je m'étais bougé pour aller à Séoul, peut-être que j'y serais. Mais de toute façon, c'était pas mon truc. Moi, j'avais aucune raison d'aller à Séoul. Il y avait l'équipe de France, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. Il y avait des cadres officiels. Non, j'avais aucune raison d'y être à Séoul. Et j'ai seulement les glandes de ne pas y avoir été. Quand tu reçois un coup de téléphone au lever du jour, et puis que tu sais ce qui va se passer au bout, qui tu vas entendre, eh ben je peux te dire que ça te marque à vie. Total. Ça crée une anecdote en tout cas. Vonx, si moi j'arrive un peu au bout de mes questions, toi, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Au niveau de l'entraînement, je crois qu'on a fait le tour. Bon, on n'a pas parlé des grandes campagnes marocaines qu'on a fait dans les années 2000-2004. Là, ça c'était assez, très intéressant. Donc, est-ce que tu peux développer? Ouais. Donc le problème de 2004, c'est qu'il n'y avait aucun bateau de sélectionné pour les Jeux. Pour le jeu d'Athènes. Donc Antoine Gucci a trouvé des moyens donc pour envoyer donc des commandos. Vraiment, ça peut pas porter d'autres noms, donc commandos d'athlètes, canoë, dames et kayak, pour faire donc d'entraînement à outrance, donc préparer la réchappe européenne, donc, qui a lieu à Poznan, donc, en 2004, pour essayer de sélectionner des bateaux pour aller au jeu. Ça n'a pas été fait, mais bon, sur le principe, donc, Antoine m'a dit, tu pars au Maroc. Parce que là, au Maroc, en janvier, en février, il fait beau, il fait chaud dans la journée. Pas chaud relativement, mais même s'il gèle la nuit, c'est dans la journée, c'est tout à fait correct pour s'entraîner. Et puis bon, je suis parti faire un repérage donc de bassins au Maroc. J'avais la connaissance de différents bassins, puisque l'ex d'une amie de Bushman là vit au Maroc et pratique le ski nautique, donc il connaît tous les bassins praticables, donc l'eau. Donc, on est plutôt de course en ligne. Et j'ai eu une réponse rapide. Donc, Marie m'a dit, bon, il y a un endroit idéal, c'est auprès de Marrakech, là. J'y vais. Je suis parti, donc, j'ai pris l'avion à Rabat. Je suis arrivé sur le bassin, là-bas. J'ai effectivement vu qu'on pouvait aller faire le stage là-bas, donc, à la dure. Tente sous tente berbère, donc, et puis une partie en hébergement dur. Donc 2 mois de stage, deux fois 3 semaines, avec un break d'une semaine au milieu. Avec, les athlètes sont revenus en France, moi je suis resté sur place là-bas. Donc on a emmené sur place une quarantaine d'athlètes. Et beaucoup de navigation. Le retour s'est fait en France après, donc avec un championnat européen donc de réchappe, où le K4 n'a pas réussi à se sélectionner. Il a gagné la petite finale. C'est les Romains qui ont pris la place. Les K2, pas sélectionnés non plus. Babac et Philippe Collin sont passés à côté aussi, les nanas aussi, les canoës aussi. Mais bon, ça n'a pas empêché d'avoir des athlètes aux Jeux d'Athènes, puisque Antoine est un fin limier. Il a fait le compte de toutes les nations fortes qui avaient des athlètes en trop, qui pourraient pas participer à toutes les... qui resteraient sur le carreau, ils étaient en trop, donc il libérait des places. Et Antoine a décidé d'emmener des athlètes français, comme le disait la presse espagnole,
L'entraîneur français qui manque pas de toupet a emmené ses athlètes en vacances et on les retrouve sur le bassin. Scandale. Et ben, j'étais en vacances en Espagne pendant les Jeux d'Athènes. C'était redoutable. La presse espagnole s'est vraiment défoulée. Mais Antoine a eu raison. Antoine a eu raison. Il fallait que les places étaient libres. Il fallait faire courir. Donc, et ça a couru. Et Babac était pas loin de, et je pense qu'il est rentré dans une finale sur 500. Il me semble. J'ai plus vraiment le souvenir. Donc, ce stage a été très efficace au Maroc. Et pourquoi ça n'a pas perduré ces stages au Maroc? Tu as l'impression que ça a perduré les années suivantes. On a pris le pli de retourner au Maroc au moment où en France il fait très très froid, mais là uniquement avec des athlètes sélectionnés. En 2004, on a vraiment emmené un maximum de gens capables, donc de remplir les bonnes cases. D'ailleurs, c'est négatif parce qu'on a eu aussi un championnat de moins de 23 et juniors, donc à Poznan. Et puis, de mémoire, cette même année, on a eu un championnat et bah, le K4 des jeunes, donc que j'avais en main avec Max, Sébastien, Herminio et Arnaud, et bah, ils ont fait une breloque. Et c'est une breloque qui s'est vraiment, je pense. Plus ou moins construite sur le stage marocain. Mais je pouvais pas se dire ça sur le Maroc parce que j'ai l'impression que là, ça fait peut-être, je vais pas dire 10 ans, mais ça fait bien quelques années qu'il y a plus de stage au Maroc. Et je me demandais la question de la logistique. Comment vous emmeniez les bateaux là-bas? Comment ça se passait? Alors, le déplacement au Maroc pour les 2 mois de stage, ça a été vraiment redoutable. On a rempli 2 remorques énormes. Accrochés à nos camions respectifs, on devait descendre à 2 chauffeurs par camion. On est descendu à 3. Donc dans un camion il y en avait 2, un qui roupillait, l'autre qui conduisait. Pardon. Et dans l'autre camion il y en avait 1. Et le 1, c'était souvent moi qui était tout seul dans le camion. Et donc on est en 9. On devait prendre le bateau, ce qui aurait été très très simple, donc aux alentours de Marseille. Là, je connais plus le nom du port exactement. Grève donc des transports maritimes. Donc, on n'avait qu'une seule solution, la route. Et on a fait la route, donc on a suivi la Méditerranée, donc de Marseille jusqu'à Algeciras. Ça nous a pris deux bons jours. On a pris le bateau à Algeciras et puis on a fini la route vers Marrakech en une journée, une nuit. On est arrivé de tard dans la nuit à Marrakech, vers 3h du matin. On était attendu par un berbère, donc bien bronzé, qui nous attendait pour allumer le groupe électronique, n'importe quoi, électrogène, un gros groupe au gasoil. Et on a fait donc c'est de 2 mois là-bas, donc et en tente et en dur, avec des conflits redoutables entre les canoës et les kayaks. Les kayaks avaient commencé à vivre dans les tentes. Des tentes berbères, ils étaient 4-5 par tente, et les canoës, eux, étaient dans le luxe entre parenthèses, des habitations en dur de l'hôtel, donc au lac de l'Anatakorkoust. Et puis deuxième stage, donc février, retour des athlètes. Les canoës voulaient pas lâcher le dur, ils ne voulaient pas aller vivre dans les tentes à la place des kayaks. Donc conflit amical, hein. Mais c'était tendu. Ah, c'était une sacrée histoire. Mais ouais. Ah ouais. Mais ma question, c'était, est-ce qu'au Maroc, c'était possible de louer des bateaux? En fait, il faut vraiment amener ces bateaux, il n'y a pas d'infrastructure là-bas. Non, il fallait amener les bateaux. Ouais. On avait la chance d'avoir en France, au club de la CBB, un berbère de service, là,
Smain, qui est un super copain et qui connaît le Maroc comme sa poche, et donc qui a su lier des contacts positifs là-bas. Et donc on a eu la chance d'avoir des bateaux quand même qui ont été prêtés par des gens du cru. Nous, on a amené que les moteurs et que les kayaks. Ok. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. les kayaks, on les tenait pendant les deux stages là, dans l'interstage. Il fallait qu'on reste à proximité des bateaux. Il y a des chameaux qui passaient à côté et qui risquaient d'accrocher les bateaux, de les faire tomber de la remorque. C'est arrivé une fois. Il y a un K4 qui s'est pris un chameau par le travers. ça casse quoi. Bon. J'ai le droit de me faire engueuler au retour en France, parce que je suis pas rentré. Rentré de stage, fallait surveiller les bateaux et tout le matos sur place. Et entre-temps, entre deux stages, la crue est rentrée à la maison, chez moi, à Bushman, là. Et bon, ça a été moyennement apprécié. Ah, tu pouvais pas le prévoir. Je pouvais pas prévoir. On habite une maison inondable, donc j'aurais pu prévoir. Je savais que l'eau risquait de rentrer et elle est rentrée. Elle est rentrée, effectivement. Bon, les meubles ont été sauvés. Herminio était rentré de stage. Pascal était dans le quartier pour filer un coup de main. Donc bon, ça s'est bien passé. Mais moralement, j'aurais dû être là-bas. J'aurais dû faire le retour aussi. Mais il y aurait eu personne pour regarder les bateaux. Si, Didier Oyer serait resté avec eux. Il y a deux canoës qui n'ont pas pu faire le premier stage, qui sont arrivés donc pendant entre parenthèses les vacances entre les deux. Et bon, lui aurait pu rester tout seul là-bas. Mais bon, je l'ai pas fait. C'était tu rester au soleil, quoi. Conscience professionnelle. Ouais, dis ça pour que je me fasse détester encore plus. et bah super pour cette anecdote. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais partager? Il y a d'autres anecdotes qui sont assez redoutables. La connaissance des gens du milieu, donc qui à un moment sont devenus donc des incontournables de la fédération. Il y en a un que j'ai particulièrement vécu, qui s'appelle deux, que j'ai très bien vécu. Le premier, il est mort, paix à son âme, c'est Bruno Bécocchi. Et avant la naissance d'Herminio, donc 83, en 82, on était dans l'incontournable pour tout Français qui veut un jour comprendre la course en ligne, aller vite. Et l'incontournable, c'est les Asturies au mois d'août, la descente de Ribal et Seilla, et la semaine internationale qui avait lieu à l'époque. Bico, lui, était un fou de la route. Il a cassé les années précédentes plusieurs voitures qu'il a laissées dans les fossés. Et cette année-là, il était donc dans les Asturies avec un collègue nageur, un grand bougre, baraqué et tout. Et puis, une nuit, au camp, pas de retour. Pas de bico au camp. Il est 7h du matin. Bon, la tente vide. Et on voit arriver Grand Bougre qui était avec lui, qui était bourré comme il faut. Trop de cidre, trop de je sais pas, tout ce qu'il avait bu. Enfin, peu importe. Mais il était bien bourré. Et on comprend, bico mort. Oh putain, Bico, il est mort. Ah, bon, ça le fait pas du tout. Et il est où? Sur la route, la voiture, elle est sur le mur et tout. Je prends la voiture, je fonce sur la route, effectivement une route assez dangereuse. Et qu'est-ce que je découvre? Au milieu du parcours, à 5-6 km du camping, la Lancia Diplomate posée sur son coffre arrière, les quatre roues posées sur le mur, vertical. Bico à côté, mort de rire, bon, finissant de cuver son cidre.
Et bon, il était pas mort. Bien content. Donc, je l'ai ramené au camp. On a été faire les déclarations, donc, aux assurances, auprès des flics et tout. Et on s'est retrouvé avec Biko pendant toutes les vacances. On avait, à ce moment-là, une R5 que j'avais emprunté à un copain pour faire la saison, donc, assurienne. On s'est retrouvé dans la voiture avec suite à l'accident et pour continuer l'épopée donc asturienne de cette année, Biko, tout son bagage, tous ses bagages, on a renvoyé le grand bougre à la gare. Il était plus là heureusement. Donc Carmina qui était toute petite, Rosa qui était enceinte d'Herminio, et on avait la sœur de Rosa pendant quelques jours. Tout le monde dans la R5. Les bagages coincés dans les bateaux. On arrivait sur les lieux de course, fallait vider les bateaux, faire les inscriptions, faire les courses, recharger les bateaux et repartir pour la course du lendemain. C'était Biko 82, fantastique. Et après, dernière anecdote quand même, qui n'est pas des moindres, je pense en 88 peut-être, ouais, je pense 88, la naissance d'une star française, donc que personne ne connaissait jusqu'à l'heure, un jeune que j'ai récupéré avec ma CX aux portes du club de Bordeaux, qui s'appelle Christophe Rouffet. Un tout petit, timide, junior, bon pagayeur sans plus à l'époque. Bon, on part dans les Asturies. Et puis, le lendemain de la course dans Ribera de Ceja, il y a une course en ligne sur 500 mètres. Mal organisée, mais bien organisée quand même. Donc, il pleuvait, un temps dégueulasse, redoutable. Moi, j'avais charge en tant que promu coach des équipes de France là-bas, d'inscrire les équipes. Et ce que je faisais très très bien. Et donc Christophe était inscrit. Christophe Rouffet qui par la suite sera donc tu le sais bien, je oui, pense que tu l'as interrogé. Directeur. Alors il pleut. Donc départ de course, les juges voient pas grand chose. Donc Christophe prend le départ de sa course. Bon, il se fait sortir. Et je sais pas quelle place il fait, enfin toujours est-il qu'il n'avait pas du tout l'occasion d'aller en finale. Bon, la journée continue, je vais voir les feuilles de résultats, et je vois donc un couloir sur lequel était écrit C Ravant, France. Mais putain, j'ai pas inscrit de Ravant, moi. Il y a un truc, Christophe. Tu remontes en bateau, il y a un couloir qui est vide là-bas, tu t'appelles CR Avant. Fais pas chier, mais ouais, mais c'est pour moi. Tu montes en bateau, tu vas au départ, tu fais pas chier, on verra ça après. Bon, il monte, et là, l'expérience commence à en rentrer, donc hop, et là, il passe dans la course suivante. Course suivante, donc on inscrit, je vais donc voir quel couloir il va récupérer. Et là, Serravant est devenu Carlos. Le C, c'est devenu Carlos. Carlos Ravant. Maintenant, tu t'appelles Carlos Ravant, tu fais pas chier, tu vas au départ. Ah ouais, mais c'est pas moi. Fais pas chier, Christophe, tu t'appelles maintenant Carlos Ravant et tu vas au départ. Voilà. Donc, il a pris le départ, donc je sais pas ce qu'il a fait comme résultat, mais bon, c'est comme ça qu'il est devenu Carlos Ravant. Et... C'était pas mal. Et ensemble, on a couru en vétéran cette année-là. Donc toujours avec un KOA et tout. Sur une course en mer, je pense que c'était, je sais plus du nom du port, enfin peu importe. Et là, donc, moi j'étais un vrai vétéran et Christophe était un vrai junior sous son KOA. Donc on a bien préparé le bateau pour attaquer les vagues en mer, pour un vite-vite et tout. On fait la course, bon, on gagne, bien entendu. Il y avait des watts dans le bateau. Et là, je me fais agresser par les autres vétérans, donc à l'arrivée. Ils me disent, ton équipier, il paraît bien jeune.
Bah, je te dis non, il paraît pas bien jeune. C'est vous qui faites vieux. Mais lui, il s'entretient, c'est tout. Hein. Il est pas que, comme nous, là. On a des gros sacs à boire de la bière et tout. C'est pas bon pour la santé, mais lui, il s'entretient bien. Ouais, non, c'est carte d'identité. Donc, appel au jury. Donc, il faut, les Français doivent venir avec leur carte d'identité. Bon, je dirais, Christophe, laisse tomber. Donc, on va aller nulle part. Donc, on va être disqualifié. Et puis, c'est tout. On a été disqualifié, mais on a gagné. Donc, un vétéran de 19 ans, puis un autre de 40 et poussière. Je sais pas quel âge j'avais là, à l'époque, mais c'était redoutable. Voilà deux anecdotes totalement espagnoles. Et c'était très bien. Oui, c'est sympa. Je suis sûr que t'en as plein comme ça. Donc, quand je passerai à Angers, que j'ai prévu de venir voir Benoît, le club, tout ça, quand il fera un peu meilleur, parce que là, à Angers, je pense que c'est pas, il y a pas un climat. Ouais. Mais quand je passerai, on se fera sans doute un autre épisode d'anecdotes, vu que t'en as pas mal à raconter. Ouais, c'est clair. Donc c'est cool. En tout cas, je vais devoir te laisser, mais c'était, tu m'as régalé avec toutes tes histoires et tout. Je comprends mieux la légende de Vonx. Donc voilà, je voulais te remercier pour ton temps. Si jamais il y a des personnes qui écoutent le podcast qui veulent te contacter, comment est-ce qu'on leur donne ton mail ou autre chose? Ouais, pas de souci. Donc ton mail qui est vonx.chevaux@orange.fr. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, t'as mis Vonx au lieu de Yves, comme ça tout le monde a bien compris pourquoi tu t'appelais Vonx. tout le monde a bien compris. En tout cas, c'était un plaisir et j'espère que on se croisera dès que les beaux jours apparaîtront, que j'irai faire un petit tour à Angers pour m'entraîner. Ok, ça sera avec plaisir. On prendra le temps de te boire un coup à la maison. Bien sûr. Après une séance, bien évidemment, faut mériter le petit coup. Tu as commencé à pagayer ou tu regardes uniquement à la télévision ce qui se passe? Non, je pagayais aussi, mais je pagayais, pour l'instant je suis en surf ski, ça me rassure un peu, mais sur du plat, comme je dis, je suis surfeur d'eau plate, donc voilà, en gros ce que je fais, mais ouais je m'entraîne pratiquement tous les jours, pratiquement au rythme des champions français quoi. Donc non, je m'entraîne et je pose des questions comme tu vois pour essayer de mieux comprendre la discipline. Mais après, je suis déjà vétéran, donc c'est le plaisir avant tout quand même. C'est le plaisir avant tout. Est-ce que, avant que je te laisse, t'as cité pas mal de personnes dans le podcast, dont par exemple Antoine Gocci. Est-ce que t'es encore en contact avec lui parce que j'arrive pas à le contacter? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Duisbourg. Au championnat du monde en 2008. Ok, ouais, parce que j'essaye de le contacter et j'arrive pas du tout à le contacter pour le podcast. 2008 ou 2007 plutôt, enfin, peu importe. Okay. Non, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et est-ce que toi, il y a des personnes que tu aimerais entendre sur le podcast? Ah, j'ai vu qu'il y en avait déjà une bonne. Ouais, mais comme t'as cité des noms, tu vois. Une grosse liste. Ouais, mais sait-on jamais si t'avais quelqu'un que tu souhaitais absolument entendre. J'aurais noté le nom. Ouais, non, pas spécialement. Il y en a plein qui que j'ai croisé, avec qui j'ai pagayé et tout, qui sans doute ont beaucoup de choses à raconter. Ouais, bah après c'est toujours pareil, c'est l'entrée en contact qui est toujours difficile pour faire les épisodes. Je dois dire que dans tout ce que je racontais, là on aurait pu multiplier l'entretien par deux, parce qu'il y avait plein d'autres sujets que j'ai pas abordé, bien entendu. Ouais, mais je pense qu'on les fera quand je vais venir. Là, il fait un peu froid, mais je pense mars ou avril, quelque chose comme ça. Je vais voir avec Benoît, avec qui j'ai bien sympathisé. Et je viendrai m'entraîner avec lui, quand son épaule en plus ira mieux. Comme ça, on pourra bien s'amuser. Ouais, c'est clair. Comme ça, ce sera cool. Comme ça, en face à face, c'est pour ça que je t'ai demandé où t'habitais. Parce que si ça avait pas marché, j'aurais dit on programme ça pour mars ou avril ou tu vois. Ah ouais. J'aurais cherché. C'est toujours bien de rencontrer les gens aussi. C'est pour ça que je te disais, est-ce que tu vas toujours sur les courses ou. Pour me trouver à Bushman, c'est très facile. J'habite au bord de l'eau. Donc l'eau entre dans la maison. Si on interroge qui que ce soit sur place, il n'y a pas 50 maisons qui prennent l'eau à Bushman. Donc ça serait vite retrouvable. Et super. Et je te laisse là-dessus, Vonx.
Ok. Ça marche. Et bah, c'était encore une fois un plaisir. Et je t'envoie un message quand l'épisode sort. Donc c'est soit ce mardi-là, soit le prochain. Si jamais. D'accord. Ok. En fonction de comment j'avance sur la transcription sur le site. Parce que je remets tout à l'écrit en plus pour ceux qui préfèrent lire. Oui. Donc voilà. Et bah, sinon, bah, au plaisir alors. Ce que tu fais, c'est du bon boulot. Hein. Ouais, bah, c'est la passion. C'est comme toi, j'ai l'envie. J'ai l'envie, j'ai la motivation. Donc quand on a ça, on sent pas trop que c'est du boulot, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, bah, peut-être à bientôt alors. Ok, bah, à bientôt. Ouais. Salut, Vonx. Bonne journée. Toi aussi. Salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.